Bonjour Madame Traoré. Bonjour. Alors, vous êtes la secrétaire générale de l'association ASIA. Oui. Aujourd'hui, vous avez réuni les personnalités ainsi que les élèves et les parents d'élèves de SICASSO. Alors, quel est le but de cet rassemblement? D'accord, je vous remercie. Je m'appelle Madame Traoré Yoboin Isabelle Togo, secrétaire générale de ASIA, Association Solidarité Femmes d'ici et d'air. Je représente ma présidente aujourd'hui, Madame Traoré Fatimata Mbaraka Minti Amoudi. Et nous sommes ravis et très, 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 très contents. Et moi, personnellement, je suis très contente d'être à SICASSO aujourd'hui, voir ces enfants dans la joie. Donc, c'est comme si ces enfants ont trouvé l'espoir aujourd'hui, les orphelins surtout. Le but est de venir leur donner des sourires à ces enfants, de leur montrer qu'on ne les oublie pas. Peut-être que la maman est partie, peut-être que le papa est parti, peut-être que les deux parents sont partis, mais nous, l'association est là aussi pour ces enfants, pour leur donner espoir, pour les soutenir, pour les accompagner et pour leur donner des sourires. Et c'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour venir à SICASSO. Alors, Madame Traoré, ces activités-là se limitent-elles à SICASSO ou bien? Nous sommes à notre troisième édition et nous avons ciblé 100 jeunes, 100 enfants pour les remettre des kits. Donc, c'est notre troisième édition et ça continue. Nous allons partir dans d'autres régions. Ce n'est pas seulement à SICASSO que nous allons limiter. Nous allons continuer dans d'autres régions, Inch'Allah. Alors, quel est l'objectif principal de l'association ASIA au Mali en général? Notre objectif général, c'est l'association est apolitique d'abord et nous évoluons dans l'humanitaire. Nous aidons les femmes à être indépendantes. Donc, quand une femme formée, quand une femme est engagée, donc c'est comme c'est la société qui est à l'émarge de beaucoup de choses. C'est comme si c'est la société qui est sauvée. Donc, notre objectif, c'est l'autonomisation de la femme en général. Alors, madame, en fin de compte, quel est le mot de remerciement que vous avez à l'envers des personnalités que vous avez appelées et à l'envers des élèves et des parents d'élèves? Je salue aujourd'hui l'autorité, les autorités qui étaient présentes à la cérémonie, je les salue. Je salue le chef de village, je salue le maire, je salue le gouverneur, je salue le préfet, je salue les autorités et je salue les parents d'élèves. J'encourage les parents d'élèves à accompagner ces enfants. Je salue le DECAP qui a fait le déplacement. Je salue tout le monde à SICASSO. Je suis venue hier, c'est comme si j'étais là depuis un an, depuis deux ans. Donc, j'ai senti que l'hospitalité ici à SICASSO, on m'a souhaité vraiment la bienvenue. Je suis très contente et je salue tout le monde. Et ces enfants, je les encourage encore de doubler d'efforts pour qu'un jour, on puisse entendre quelque part. En 2024, l'ASFIA était là. On a remis quelque chose à un enfant. L'enfant est le président de la République aussi. L'enfant est le ministre aujourd'hui. On veut entendre ça un beau jour. Donc, courage aux enfants et paix à l'âme de tous les défunts. Alors, d'ailleurs, on aime. Merci. Bonjour, monsieur le DECAP. Bonjour, madame. Ça va? Ça va. Aujourd'hui, l'association ASIA est à SICASSO ce matin. Alors, quel est le but de ce rassemblement dont vous avez l'honneur? Bon, je dis d'abord bonjour à tout le monde. L'association ASIA est à SICASSO dans le cadre des œuvres sociales, c'est-à-dire accompagner les enfants vulnérables et les enfants orphelins et pour des kits scolaires. L'association est là dans ce cadre-là pour donner des kits à ces enfants afin d'être au même niveau que leurs collègues. Alors, monsieur le DECAP, quelle est l'importance de ces kits-là aux bénéficiaires? Bon, l'importance est capitale, parce que ce sont des enfants à un moment donné qui pensent qui n'ont pas suffisamment de kits, qui sont en besoin,
Donc, si l'association arrive à leur fournir un kit, c'est que les cahiers, bic et sacs, ça va les réconforter, ça va les mettre dans une autre dimension que leurs collègues de classe là. C'est-à-dire que parmi ces enfants, il y a de ces enfants qui ont perdu papa et maman ou bien qui n'ont pas eu le sac lors du jour de l'ouverture. Donc en donnant ces instruments-là à ces enfants, ça va vraiment les aguerrir, les encourager surtout à travailler et à se considérer entre eux dans la société aussi. C'est ça. Monsieur le DECAP, en fin de compte, quel est le message que vous avez à donner aux élèves ainsi qu'aux parents d'élèves pour l'année scolaire 2024-2025? Bon, le message que j'ai à donner aux parents d'élèves, c'est d'amener tous les enfants la date indiquée par le gouvernement, c'est-à-dire le 4 jusqu'à preuve du contraire, à l'école. Et les enfants, nous leur demandons d'être présents. D'être présent, assidu, ponctuel, et se concentrer et faire face à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ici? C'est l'apprentissage et l'enseignement. Il doit vraiment venir apprendre, venir se faire éduquer. Vraiment. C'est ce que nous demandons aux enfants. Et les enfants, ces enfants ne peuvent pas venir comme ça sans l'accompagnement des parents. Il faut que les parents les accompagnent. Merci. Bonjour, madame la maire. Bonjour. Aujourd'hui, l'association ASIA a remis des kits aux enfants qui en ont besoin. Alors, quelle est votre émotion? Et tout d'abord, je dis merci à l'association Femmes d'ici et d'ailleurs pour ce geste de solidarité, surtout qu'on a un mois de solidarité. Ce geste vient à point nommé pour nous, autorités communales. Et nous savons que les autorités de l'État ont délégué les pouvoirs tels que la santé et l'éducation aux communes. Et nous félicitons et nous encourageons et sollicitons d'autres partenaires à faire comme l'association Femmes d'ici et d'ailleurs. Donc c'est une femme généreuse et son association qui ont mis la mais sur le cœur pour penser aux enfants orphelins de Sikasso. Ce geste-là nous réjouit et nous les félicitons sincèrement qu'Allah les assiste et leur rendre au centuple ce qu'ils viennent de faire pour la commune urbaine de Sikasso, les enfants orphelins et toute la population de Sikasso en général. Donc, ce que j'ai à souhaiter, c'est un vœu de bonne et heureuse année scolaire pour les parents, les enfants, et que la nation malienne soit en paix et réconciliée. Merci. Alors, madame la maire, en tant que maire adjointe de la commune urbaine de Sikasso, quel message avez-vous à lancer à tous les élèves et ainsi que les parents d'élèves pour l'année scolaire 2024-2025? Mon message est très simple. C'est un message de félicitations, d'encouragement à l'intention des élèves, des parents, un message de soutien et d'encouragement des parents à l'avers des enfants, et un message d'encouragement et de travail bien accompli pour les élèves, pour que un Mali uni prospère dans une démocratie où tous les fils du pays sont instruits. Ça, c'est le vœu le plus ardent que je peux souhaiter à tous les élèves du Mali en général et de la commune urbaine de Sikasso en particulier, aux enseignants, à tout le monde, pour que du début de l'année scolaire jusqu'à la fin, qu'il y ait zéro grève et surtout une bonne année de travail. Merci. Merci beaucoup, madame la maire. D'abord. Bonjour, monsieur Diarra. Bonjour, ça va? Ça va. Aujourd'hui, nous sommes à l'école A de Sikasso pour l'association ASIA qui a remis des kits aux enfants qui en ont besoin. En tant que président de la jeunesse, quelle est votre émotion ce matin? Nous sommes aujourd'hui en tout cas vraiment émus de cette donation qui va vraiment droit au cœur, puisqu'il s'agit déjà de venir en tout cas et enlever les épines auxquelles la jeunesse devait entreprendre par rapport à ces actions. On va dire merci et bravo à l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs pour en tout cas pouvoir en tout cas mettre cette donation en place au profit des enfants
vulnérables au profit de la population de Sikasso. Vraiment, c'est une donation qui est venue à point nommé pour encourager les enfants à redoubler d'efforts pour la réussite scolaire. Alors, monsieur le président de la jeunesse, en tant que jeune, quel message avez-vous à donner à vos frères cariers qui sont en classe inférieure que vous, de serrer les ceintures jusqu'à présent? C'est de montrer d'abord l'iman de la jeunesse. L'iman de la jeunesse, c'est d'abord la bravoure, c'est l'abnégation, c'est le courage. Donc, le message que je lance par rapport aux autres jeunes, à mes cadets, c'est que la jeunesse, c'est juste un bout de temps. Nous sommes pratiquement un soubresaut de notre vie et c'est un soubassement de la vie quotidienne. C'est qu'il ne faut pas beaucoup se faire emporter par des mauvaises réputations, des mauvaises images. C'est de serrer les ceintures, c'est de développer déjà les compétences vis-à-vis de la jeunesse. Pour, en tout cas, puisque la jeunesse aujourd'hui va être le futur de demain, et ce futur-là, ça se prépare dès aujourd'hui, et ça ne se prépare pas tant qu'on n'a pas serré la ceinture. Et la bravoure, c'est notre slogan. Merci. Alors, qu'avez-vous à dire aux autres associations par rapport à ce que l'association ASIA vient de faire? C'est de faire la même chose. Nous demandons aux autres associations de faire la même donation que ASIA a fait. Et on encourage également ASIA à entamer ces mêmes processus dans les jours à venir. Et nous demandons très sincèrement aux autres associations qui peuvent nous appuyer de façon matérielle, physique et morale, d'appuyer la jeunesse, puisque la jeunesse est le futur de demain. Alors, merci beaucoup, monsieur Diarra. Neba etoko Fanta Traoré. Et votre classe jolla 5e. Bi kado dire ma association Asia mo fe ni sonjan du meme la. Ajara ni yere. Ajara e ko sobe. Ibe kalan ya. Awo. Kado ni jugun ya o mako ka kalan ke yala ibe promesse ta Asia mo ko ibe kalan chama ke wala sa ka mona bi so mo la. Awo. OK d'accord. Ne fa etoko. Ilaja jati. Itoko? Ilaja jati. Ilaja jati. Bi association Asia mo ko sa gidi e ma ni sonja du meme la. Njoya chera la. Adma. Na kalan ke. Ame kalare ni premier na nyira ni na webe kalange foge premier aw ibo promesse di asia mo koma aw ne bal mam jeto ko ntu ay wuriga tu sangare we yadu sangare sagi ni ndira aw ma binison jaju mene bela ah akon ndira ni manison jam mena pasike wan deme anga kula ali sanga kalange kambana fa deme meduna tawla mina ke premier na la suena madon ibe promesse ta asia mo ko ibe kala nga foke premier awo ibe promesse ta ko meke premier jam nto ko ishu e jam berte se ku berte sa ki dire ma ni sonja juma ne be la bi a jaranye ay du su do na mi na kala nge ibe promesse ta asia mo ko ke premier ni na awo ibe kala jam ke awo